On dit que vous êtes nihiliste. Est-ce vrai ou est-ce faux? Qu'est-ce que le nihilisme? Je suis pas né, je suis rien, vous savez, c'était difficile à dire. Je crois que j'ai des accès de nihilisme. Vous savez, c'était difficile à dire. Est-ce qu'on peut dire de Bouddha qu'il est nihiliste? On ne peut pas, n'est-ce pas? On peut le dire. C'était compliqué. Vraiment, je vois pas comment je pourrais répondre à cette question en étant tout à fait sincère. Je suis sûrement un négateur, n'est-ce pas? Mais même la négation, n'est-ce pas? C'est une négation. C'est pas une négation abstraite, donc un exercice. C'est une négation qui est viscérale, n'est-ce pas? Qui est donc une affirmation malgré tout, n'est-ce pas? C'est une explosion. Est-ce qu'une gifle est une négation? Donner une gifle, n'est-ce pas? Quelque chose. C'est une C'est une affirmation, en tout cas. affirmation. C'est une affirmation, mais ce que je fais, c'est des négations qui sont des gifles, n'est-ce pas? Donc c'est des affirmations. Cependant, je ne recule pas. Je n'ai pas peur de mon nihilisme, ni de pessimisme, ni quoi que ce soit. Ni, absolument, ça m'est égal, n'est-ce pas? Il y a des côtés nihilistes, mais c'est pas Pourquoi ça. Je ne crois pas que ça soit important. Cioran est-il un révolté? Je ne suis pas révolté. Mais le révolté veut remédier à quelque chose, n'est-ce pas? Le révolté est un militant. Je ne suis pas militant. C'est vrai que j'ai dénoncé énormément de choses, mais Vous militez contre... quand même, avec le sentiment de l'irréparable.